Bonjour à tous. Aujourd'hui, grâce à NetProf, nous allons apprendre à faire une bague. C'est un nœud très utilisé dans l'autisme pour pouvoir, par exemple, fixer les parbattages sur des filières de sécurité et ainsi éviter au bateau d'avoir des contacts avec d'autres bateaux. Pour faire ce nœud, vous aurez besoin d'une corde, plus communément appelée bout, et d'une partie fixe qui sera, dans notre exemple, un morceau de bois. Pour faire ce nœud, c'est quelque chose de très visuel. Vous aurez besoin de le voir une fois ou deux et de vous entraîner, et par la suite, vous saurez le faire par cœur. Tout d'abord, il va falloir faire un tour autour de la partie fixe qui sera le morceau de bois, de cette manière. Ensuite, passez au-dessus de la première partie que vous venez de faire. Passez en dessous avec cette partie du bout en dessous de la partie fixe. Et ensuite, re-rentrez dans la bague qu'on vient de faire. Une fois que vous avez serré, vous avez un nœud qui est plutôt esthétique et qui tient correctement. Et voilà à quoi ressemble une bague. Je vais refaire une fois de plus pour que vous vous rendiez compte à quel point c'est facile et pratique. Donc, vous passez au-dessus de la partie fixe. Vous faites le tour autour de la partie qui vous reste. Vous passez en dessous du morceau de bois et vous re-rentrez par ici, dans la bague que vous venez de réaliser. Vous serrez un tout petit peu et vous avez ici la bague et le nœud avec, de ce côté-là, la partie que vous avez besoin de suspendre. Merci d'avoir suivi ce cours et je vous souhaite de faire de très jolis nœuds.